Salut à tous les gens, c'est encore Shadow War. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du playthrough sur Dishonored. Donc on vient de s'échapper du ban de Goldrich, comme ils le mettent là à l'écran, grâce à un mec qui nous a filé une arme, une clé, des explosifs, bref, il nous a dit son petit plan d'évasion. Donc là, suivi à la lettre, et puis là, ben, on vient de sortir... de la prison et on se retrouve dans les égouts. Voilà. Allez, c'est parti. Coucou. Hop. Il a utilisé une somme explosive pour se faire la malle. Il avait forcément un complice. Un complice, tu crois? Qui ça pourrait être? Wow. C'est quoi tous ces rats là? Alors. Note d'un ami. Corvo, si vous y allez ceci, cela signifie que notre plan a fonctionné, que vous êtes échappé de Goldrich. Un de nos contacts a caché des armes pour vous quelque part dans les égouts. Récupérez le matériel et trouvez Samuel à l'endroit où ces tunnels se jettent dans le fleuve. Il vous mènera jusqu'à nous. Un ami que vous rencontrerez bientôt. Allez, on va se faire les ninjas. Coucou les rats. Moi, une fois, je l'ai vu s'entraîner à 3 contre 1. Ah. Ah, mangé par les rats. Dommage. Oh putain, mais il bouffe tout en plus. Miam, miam, miam. Ça, c'est du bon rat. Le bon steak d'homme. Oh putain, il reste plus rien par les épées quoi. Ça donne pas envie de descendre. Est-ce qu'il y a un autre type là? Non. Je suis pas obligé d'y aller là. Si je suis pas. Attends. Est-ce qu'il y a pas des trucs à récupérer? Non, c'est des gros radars. En fait, ils avaient que des épées. Ils avaient même pas de bourse. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se casser direct sans aller voir nos amis. Les petits rats. Ouais. Ensuite, je dois aller où? Là-bas. Oh putain, il y a encore plein de rats de l'autre côté. Je pense que c'est pas les mêmes. Oh putain, ils doivent avancer en moi. Approchez, je vous dis. Donc, faut savoir que les rats, quand on les bute, quand ils sont en meute, bah, ils attaquent plus après. Oh. Oh, t'as mal. Ouais. Un coco. Et mal la gueule. Allez, prendre un petit bain. Cadeau. Hop, est-ce qu'il y a des choses à prendre? Voilà, hop, non, que dalle, mon radin. Tant pis. Ouais. De toute façon, tout est mort, je m'en fous. Bon. Bon, on va devoir aller dans la bouillasse. Ok. Matériel caché. Monte. Hop. Voilà. Une chaise. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Toc toc toc. Attends, il y a quelque chose. Ah oui. Voilà, donc ça c'est. Ça c'est des géniards. C'est des bidules là, c'est. C'est des mecs qui sont atteints de la peste en fait et ils sont complètement. Bon là ils sont complètement crevés, donc ils ont succombé, ça veut dire que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont. Oh, journal de Damien. Là, on a juste assez d'argent pour acheter la moitié des élixirs dont nous avons désormais besoin. Nous n'avons plus. Nous ne pouvons qu'attendre, nous sommes très malades, il n'y a aucun endroit de surface cachée de la garde urbaine. Ils forcent les portes des maisons dans tous les quartiers, nous allons donc rester ici et partager les quelques heures qui nous restent à vivre. Notre feu garde ira à distance, mais ils finiront par envahir cette ville. Donc les petits gens ils sont mourus. Mais ils avaient quand même de la vinasse hein. Pour survivre, autant passer un peu de bon temps. Ah, ah, ah.
quelque chose là. Toc. Non, c'est la bouteille d'en bas qui brille. Ok. Vas-y, avance. Ah, il y a un monsieur qui est mort là. En général, on trouve dans les égouts, c'est là où il y a le plus de choses qui sont cachées parce que c'est tellement le bordel qu'on voit absolument rien. Excuse-moi, cadavre. Là. Ah, il n'y a pas d'eau, dommage. Je suppose qu'on peut faire ça. Hop, voilà. Il y a quelque chose là-dessous ou pas? Non, pas trop. Bref, hop. Non, c'est que de la flotte. Est-ce que là-bas il y a quelque chose? Oh, non, c'est que de la bouffe, je vais goûter. Un peu de vinasse. Ah, la totem. Ouais, ouais, ouais. Pas des trucs planqués quelque part, non, mais je m'en souviens plus parce que le début du jeu, je l'ai fait il y a taquet longtemps du coup, hein, parce que comme j'ai acheté le jeu quasiment à sa sortie, oui parce qu'il est sorti en fin d'année 2012, donc maintenant qu'on est en 2013, ça fait, c'était pas il y a super super longtemps, mais quand même. C'est charger les cadavres sur les chariots dans le quartier inondé. C'est trop loin, et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, toi. C'est quoi ça? Protégé par l'élixir? Qui sait? Ah, c'est des bouteilles. En tout cas, balançons-les ici. Les rats, les coups. Je veux pas être mangé par un rat. D'accord, donc là en fait, faut les foutre pour pas se faire bouffer par les rats. Allez, petit rat à table, mangez. Attends, on va ouvrir la porte. Tant pis si j'ai pas le temps de fouiller. Putain, j'espère qu'ils vont pas me suivre ces bestioles là. Votre attention, citoyen de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily et l'héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Vous êtes tenu grappé de aux chaînes, immédiatement sur le carré. La carte urbaine, si vous le localisez. Hop, des petites brochettes de rats, j'espère que c'est pas une bouteille de vinasse. Bam. J'espère que c'est pas dégueulasse à manger. S'ils ont la peste. Allez hop. J'aime bien cet univers un peu glauque, mais. Ah oui, ça je me souviens. Qui est bien sympathique. Bon, de toute façon, moi tout ce qui est furtivité, j'aime bien, même si je rate tout le temps, hein, parce que être furtif. C'est pas trop. J'aimerais bien, de temps en temps, réussir à être furtif, mais bon, je me fais tellement repérer à chaque fois. D'accord, donc là c'est un piège. Putain! D'accord. Bon, là il y en a un autre, donc je vais essayer d'aller directement. Voilà. Niqué. Oh, j'ai des carreaux. Mais j'ai pas d'arbalète. Tac. Tiens. Si c'est ça, je te casse tout ton vin. Bâtard pour m'avoir fait des dégâts. Hop, on a le câble. Est-ce qu'il a laissé des carreaux son machin? Ah merde, il est là-bas. Qui c'est le connard qui piège les égouts quand même? Sérieusement. Déjà que dans les égouts tu trouves que des vieilles merdes de génior. Qui sont à moitié crevés. Donc là, le mec il voulait piéger ça. Pour faire quoi? Pour leur prendre des microbes. Hop. Argent, argent. Money, money, money. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus. Bon. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Genre, je peux passer. Mais en vrai, il est super fin, Corvo. Regarde, il passe sous les petits tuyaux là. Faut que je refasse le. Non, pas le tour, hein, on s'en fout. On a un assassin, bordel. D'accord. L'attention du protecteur. Salutations, Corvo. Ou devrais-je dire protecteur. Comme on vous appelait avant que. Qu'on retire justement ce titre. Nous sommes des serviteurs de l'Empire et la véritable. Un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec les meilleurs matériaux de l'île. Puis allez voir Samuel. Ça fait deux fois qu'on me parle de Samuel.
L'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit où détiennent les verres dans le Runhaven. Donc c'est un fleuve, ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune. Ok. Petite arbalète tranquillou. L'épée, franchement, elle est vraiment trop classe. Surtout quand il la range. Rangement d'épée méga classe. Voilà. C'est comme un gun au western, mais en plus classe. Ouais. Pour changer les... Oui, L2. Ouais, donc on va les attribuer. Genre. Alors. Cartouche d'arbalète, on va mettre ça là. Les anesthésiantes là. Le flingue là. Les cartouches incendiaires ici. Donc on va prendre les normales. Puisque. T'as quoi sur toi? Que de la bouffe? Que du fric? Ça sert à rien. Tiens, toi. Ouais, il y a donc il y a aussi la notion d'argent dans le jeu, puisqu'elle va vous servir après pour acheter pas des armes, mais acheter des. Si, des armes, puisque on va avoir différents trucs après, genre des grenades, des espèces de mines. C'est quoi qui tombe là? Ah, c'est le cadavre que j'ai jeté qui. D'accord, ok. Voilà. Il va y avoir aussi des améliorations en fait à acheter, à débloquer au cours du jeu. Ah oui, il faut passer en dessous celle-là. Est-ce que ça se casse? Oui, donc les barrières en bas aussi se cassent. Hein. C'est trop risqué de passer en dessous, de toute façon je vais mourir à chaque fois. Donc autant désamorcer le truc directement. Voilà. Tranquillou. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent? Récupérer tranquille. Argent. Alors, la barre de G. Au cas où tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky, t'auras la réponse. Whisky compris. Si tu veux ta barre, tu trouveras. Sinon, je reviendrai le mois prochain. Ah oui, ça c'est le. C'est la combinaison du gars. Regarde ton whisky. Ah! Ah oui, c'est vrai. Putain, j'en savais plus. Donc, putain, avec ma luminosité, je vois rien du tout. Donc, c'est 4-5-1, le whisky. Donc, on va trouver des coffres tout au long du jeu avec des combinaisons. En général, elles sont marquées soit sur. Voilà, sur des lettres. Oh, ça fait plaisir. Plaisir aussi. C'est marqué dans des lettres ou sur des murs. Ou même des gens, vous pourrez les torturer pour avoir. Pour leur sortir les informations de leur coffre. Bon, ça, c'est des actions plus contextuelles, donc elles ne seront pas. C'est que dans des cas précis, on pourra faire Je te ça. laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune Je chance. suis d'accord, je suis Tu trop fais quoi s'il y a personne d'autre dans le puissant. coin? Essaie de faire du raffut en mourant. Si Fais tomber un possible. truc si possible. Crevard. Crevard. Ouais, alors je me souviens ça. Ouais, faut descendre. Ça sent le génieur crevé là-dedans. Donc. D'où tu te m'as pissé toi? Alors ça c'est super pas discret. Bref. Alors je sais qu'il y a l'autre qui va revenir après, donc faut que je me dépêche. Hop. Voilà, bien manger. Prends les anesthésiantes pour éviter de les tuer. Quelqu'un d'autre. Alors là, il y en a un. Ok. Donc là, il y en a un. Putain. Me foutu les boules. J'ai cru qu'il m'avait repéré. Oula. Pourquoi il passe juste devant moi là? Oh. La 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 la
Forcément, je me suis fait repérer. J'ai trop le style. Toi, tu gueules. Toi, tu dors. Putain. Forcément, en plus des anesthésiantes, j'en ai pas beaucoup. Du coup, j'en ai déjà plus en fait. Parce que j'en ai que 3. Bon, je fais ça pour éviter que si y en a un autre qui arrive, qui me repère. Hein. Ce serait bête de se faire avoir deux fois. Ça, par contre, je peux pas soulever. Ça, je m'en souviens. T'as pas des brochettes là? J'ai un peu la dalle. Hop, pomme. Bon, ben, j'ai l'impression que je suis bientôt à la sortie et qu'il n'y a plus grand monde. Là, il y a un monsieur mort. Ouais. Hop, cadeau. Hop, cadeau. T'es pas mort, hein. T'es bien mort, je veux dire. Bon, donc pour ceux qui veulent bien s'amuser à acheter des cadavres, parfois des trucs rigolos à faire. Genre quand t'es bien haut, belle grosse chute avec un bon gros plouf quand ça atterrit dans la flotte. C'est bien marrant, j'ai déjà testé. Ouais. Il déraille juste au-dessus de moi. Ah, c'est là où il balourde des gens là. Ah oui, donc le truc des poubelles. C'est pas mal pour se planquer. Hop. Et voilà. Les agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix, mort ou vif. Niam. Hop, on va se dépêcher. Je pense pas qu'il y ait trop de monde là. Quelque chose là-haut. Quelque chose encore là-haut. Non, mais il y a vraiment des choses partout des fois. Je fais des trucs bizarres, c'est normal. Venez, je suis avec vous. Ah, c'est Samuel. C'est Sam. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui ont t'as une petite tête de macaque. Ils ont dit que je vous trouverais là. J'ai encore du mal à y croire. Là, pourtant, je suis devant toi. Oh, c'est pas loin d'ici par le fleuve. Oui, c'est parti. Il a l'air bien dégueulasse le fleuve. Oh, puis le bateau, il a l'air bien gros aussi derrière. Voilà, mission 1. Ouais, d'accord. Cas au général, je me tape déjà un élevé. Bien. Donc, rune sur un. Ouais, donc ça, on reparlera plus tard quand on commencera à en trouver. Parce que les runes, ça améliore. Donc, déjà, ça vous donne des pouvoirs. Parce que vous allez avoir des pouvoirs au bout d'un moment. Quand vous aurez rencontré l'outsider, et en fait, il y a des runes qui se trouvent sur des hôtels et il y a des runes qui se trouvent un peu partout. Charme d'eau, c'est des espèces de petites améliorations. Donc, c'est à peu près. C'est pas comme des runes, c'est des petites améliorations mineures. Plus comme des espèces de capacités passives. Du genre. Ça vous redonne plus de vie quand vous prenez une potion, ou vous trouvez plus de munitions, ou vous faites moins de bruit. Bref, plein de petits trucs bien sympathiques. Par contre, faut les chercher. Caché dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres des loyalistes, afin de savoir qu'ils ont en tête. Hound Pete's. Le pub Hound Pits, fermé au public, tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent et il ne se doute de rien. C'est mignon. Il y a un bout de bâtiment qui est tout seul qui flotte bien là. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily, il avait votre honneur, c'est bien lui. Eh ben, tant mieux.
Oui, parce qu'en tout bon assassin que je suis, faut que je retrouve la fille de l'impératrice, le but quand même du jeu, puisqu'elle est morte à un moment, elle doit se sentir un peu perdue avec ses méchants assassins. Coucou, c'est moi. L'avenir est en marche, amiral. Nous avons trouvé notre homme. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Coucou, c'est moi. Je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Bonjour. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Mm-hmm. Je suis Lord Trevor Pendleton. Bonjour. Je représente la noblesse de votre groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Handpiece. C'est un T'as moment une tête quand même qui me revient pas trop, toi. T'es sûr que t'es pas infecté? Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécuté, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et l'avoir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui. Pierrot. Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Je vais boire ta bière. Plus tard. Non, tant pis. Je sais qu'il y a des trucs à piquer ici. Genre ça. Genre, hop, une petite tartelette aux abricots. Bon, des bouteilles vides, je m'en fous un peu. Des bouteilles vides. Hop, encore ça. Oh, c'est joli. Des bouteilles vides, je m'en fous un peu. Après, il peut pas mettre des bouteilles pleines pour une fois. Donc, Pierrot, mon ami Pierrot, clair de la lune. Salut Pierrot. Et je vous fabriquerai un équipement du sur-mesure, rien pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. J'aime bien sa tête, lui. Il n'a pas une tête de cinglé, mais... Voilà, maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Oui. Vous pourriez m'en descendre à nouveau, pendant que je maintiens ça en place. Mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Ah oui, donc faut savoir que dans ce jeu-là, il n'y a pas d'essence. Oh, mon Dieu. Et ouais, bah en fait, regardez les bouquins-là. C'est pour ceux qui veulent lire. Je vais pas lire, hein, vous mettez pause. De toute façon, si vous voulez vous lire tout ce qui est là à lire. Alors, vivisection des baleines. Voilà, donc parce qu'en fait, ici, ce qui fait marcher les... Ce qui fait marcher les... Enfin, ce qui est utilisé à la place de l'essence, c'est l'huile de baleine. Donc voilà, le jour où il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence... plus aucun truc de pétrole, on saura, faut éventrer des baleines. C'est bien connu. Donc là, il explique tout, ce qu'ils font sur les bateaux, ce qu'il faut faire avec les trucs. Non, tiens. Celui-là est vide. Il en faut un sans blague, voilà, hop, petite pièce. Bon, j'en prends un autre, hop. Forcément, il avait déjà préparé. Et parce que sinon, en fait, on peut faire ça. Fou là-dedans, toc. Voilà, bon, ce qui parlait à propos de... De l'explosion, ça fait ça. Non, je me suis pété de la vie, mais c'est rien. Et c'est bien utile, croyez-moi, quand. D'accord, rien, non. Quand vous butez les mecs en masse et que vous avez un petit réservoir sous la main. Parfait. Pour péter les mecs, c'est bien utile. Hop. Petite baleine. Parfait. Merci. Vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement. Je vous rassure, on va pas voir c'est comme ça pendant tout le jeu, ce serait un peu contraignant. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes... Des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens.
Trouvez-moi des objets de valeur en ville et j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Alors, mon ami Pierrot, j'aimerais bien que tu me donnes des trucs. On va voir ce qu'on a accès en amélioration pour le moment. J'aimerais bien avoir plus de munitions. Ouais, déjà, donc le zoom, c'est indispensable. Ah ouais, j'ai que 500 quand même. Est-ce que j'ai assez après pour... Ouais, d'accord. Je vais prendre la précision parce que je me sers beaucoup de l'arbalète. Des carreaux, j'en ai 0 sur 10. Bon, j'en ai 8. De toute façon, les carreaux d'arbalète, on en trouve pas mal. Donc voilà, c'est ce que je disais. Des spirales tranchantes, en gros, c'est une mine. Tu la mets par terre, ou enfin tu la mets par terre, tu peux la mettre aussi sur des gens, ou tu peux la mettre sur même sur un rat si t'as envie. Et quand il y a un mec qui arrive dans la zone, ben ça défonce tout. Sinon il y a les grenades normales, bon les balles, de toute façon ça changera pas. Carreaux d'arbalète, carreaux anesthésiens, il y a les carreaux enflammés aussi, mais pour le moment il les vend pas. Outils de câblage, alors ça on verra après. C'est parce qu'il y a des trucs informatiques à faire de temps en temps. Enfin informatique. C'est pas un truc que je raconte de la merde. Un truc informatique, c'est. Il y a. Un système de piège qu'on peut détourner grâce à ça. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Non, j'en préfère un petit tour. Très bien. À vous de voir. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre. En fait, je veux fouiller ton petit machin là. Ah oui, ça c'est parce qu'il voulait faire des trucs avec. D'accord, donc si vous voulez lire. Voilà. C'est bon. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'il y a des machines. Ça, c'est toujours utile. Des. Bon, je veux dire, de toute façon, il y a des. En fait, il y a des trucs, des pylônes, des portails, enfin, des trucs qui peuvent vous faire bien chier en général. Oui, donc faut savoir que Sokolov, celui qu'on a vu au début, et Pyro, avant c'était des associés, ils se sont fait la gueule. Et du coup, ils se sont séparés, ils ont développé chacun un petit élixir. Putain, c'était pas ça avant. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'aimerais bien te racheter des trucs anesthésiants. Parce que je t'ai piqué un truc. Voilà, c'est gentil. L'académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurai besoin. Ouais, donc en fait il est un peu fou Pyro, enfin c'est un peu pour ça je crois qu'ils se sont séparés de lui, hein. Il était un petit peu, il avait un peu de grandes envergures. Donc ma chambre elle est toute là-haut. Coucou Samuel. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pandissa, donc c'est une autre des îles, hein. Il y a Pandissa, il y a Chrysnos, je crois, d'où je viens. Donc il y a Dunwall ici, là où on est. Puis je crois qu'il y en a une quatrième, mais je suis plus sûr. Oh, de l'argent. Oh, j'aime bien. Suite à des risques d'infection, j'aime bien l'argent, donnez-moi la monnaie. Fluvial est interdit dans le quartier de la distillerie. Tout contrevenant sera emmené au quartier inondé. Oh, bon, j'en ai oublié. Pour y être réadmis. Je me balade, de toute façon, on va aller se coucher. Ouais.
qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher. Tenisca blanc, nanana. Bref, vous appuyez sur pause si vous voulez vous lire. Sinon, on s'en fout. C'est pour ceux qui sont fans de lecture. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vous disais là. Une chanson. Bon, je ne pense pas que vous vouliez la prendre par cœur et la chanter à vos parents. Je crois que j'ai deux fois le même en fait. Ouais, c'était celui de l'autre. Des toilettes, ok. Histoire du baleinier, ah ouais, alors ça, il y a pas mal de volumes à lire, donc par contre, il y en a plein. Ils sont dispatchés un peu partout. Coucou. Ah, vous devez être Corvo. Oh, c'est à cause de moi ce que t'as lu ça. Votre chambre vous attend à l'étage. Quand on m'a dit qui vous étiez, j'ai cru que vous seriez plus vieux, comme l'amiral. Ouais, j'ai cru que t'aurais mes oreilles plus petites, moi. Coucou. Ne tentez pas d'héberger. Voilà. Veuillez me suivre jusqu'à mon quartier. Ou approche ayant des j'ai bon envie. Fuck la police. Oh, une clé. Je te suis pas, je te suis pas. Alors, journal de Havelock aussi, du début à la fin de la partie, il y a 7 parties, je crois, en tout. Nanana. Mémoire d'un baleinier, volume 2, on l'a déjà lu tout à l'heure. Tu vas lire l'audiographe en attendant. Compte rendu 14. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Grâce aux improvisations de Martin, le garde du corps a été libéré et devrait bientôt arriver au quartier général. Avec l'influence politique de Pendleton et mes relations militaires, il ne nous manquait plus qu'une force létale et contrôlable pour remédier à certains... Ah, bref. Nous avions besoin de quelqu'un pour expédier les gêneurs. Corvo est notre homme, ça ne fait aucun doute. Terminé. C'est bon. Docteur, où est-ce qu'il est? Toi, tu sais bien te servir de la technologie. Alors, ouais... Pour ceux qui veulent lire encore, encore un autre. Mémoire d'un baleinier, volume 1. Voilà, on a lu le volume 2 tout à l'heure. Voilà le volume 1. Voilà. Oui, donc je regarde les tableaux souvent parce que. En fait, on peut récupérer des tableaux. Il y en a, c'est. Comme si tu. Tu peux les prendre, ça fait du fric. Hein. Et c'est aussi une des options à compléter dans un niveau. Voilà, donc on récupère des assiettes. Que s'est-il passé? C'est vous qui avez fait ça? J'ai pas vu que t'étais là, excuse-moi. Non, il se récupère pas, il se récupère pas non plus. Allez, on écoute ce que t'as dit. Mes meubles ont été installés. Non sans une bonne dose de jérémiade de la part de ce rogaton de passeur. Les autres n'ont aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. À ce propos, Wallace, apportez-moi deux bouteilles de rouge de Dunwall, n'importe lequel. Et un verre propre. Oh, tant pis. T'aimes bien la vinasse, toi. Ok, voilà, s'il est parti là-haut. Coucou. On a pas de bouquin à lire. Il y a beaucoup de murs ici. Hein. Enfin, de portes emmurées plutôt, parce que des murs, j'espère bien. Est-ce que c'est voici chez votre moi chambre. Personne ne viendra vous y déranger. Ah, vous avez besoin de repos, je crois. Dans le grenier, bien sûr. Oui. Allez, on va toi. Oh, l'argent. Ouais. Votre attention, citoyen de Dunwall. Attention. D'accord. L'infestation de racleurs d'eau s'est étendue jusqu'à l'embouchure du fleuve et au quartier inondé. Oh, les racleurs d'eau, ça c'est de la belle saloperie. On en verra plus tard. Allez, on va se coucher. Récupéré à cette occasion appartient à l'État. Bon, exceptionnellement, parce que j'aime bien ce passage, alors... Oh, puis non. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai dépassé un peu déjà le temps que je devrais mettre pour un épisode. Et puis comme ça, voilà. Ça vous donnera envie de regarder la suite. Enfin,
Enfin, j'espère déjà que si vous avez regardé les épisodes précédents, vous avez envie de regarder la suite. Mais là, c'est un passage un peu folklore, hein, pour ceux qui aiment bien les trucs psychés. Voilà, attention, petit aperçu. Non, je vais faire sauvegarde d'abord. Sauvegarder là, on reprendra là. Voilà. Attention. Ouh, vous avez envie de voir la suite, hein? Eh ben non. Là si. Bref, on va s'arrêter là, les amis, pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'action explosive et tout ça, puisque là, c'est normalement c'est le début de l'histoire, donc ça s'installe tranquillement mais sûrement. Mais oui, là ça va commencer à devenir intéressant. Bref, le tralala habituel. Si vous avez aimé, si vous voulez vous abonner, si vous voulez commenter, donner des conseils ou même proposer des nouveaux sujets, enfin bref, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, et puis à la prochaine. Allez, salut.